Eh bien, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre confinement se passe bien et j'espère que vous et vos proches vont bien aussi. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur Automobilista 2. Ben oui, il est à peine sorti et je vous fais déjà une vidéo dessus concernant une chose que j'avais parlé pendant la présentation donc d'Automobilista 2 donc dans mon live. Je trouvais moi personnellement que il y a pas mal de circuits qui étaient beaucoup trop colorés, beaucoup trop jeux. C'est un peu bizarre quand je dis ça, un peu trop jeu, mais c'est le cas. Quand vous avez du rouge, du vert, du blanc, du bleu, etc., beaucoup de couleurs, ben c'est, généralement c'est les mêmes couleurs qu'on rencontre sur les circuits. Et je trouvais qu'ils étaient fort contrastés, fort colorés. Moi, le personnage, je n'aime pas trop. J'aime pas trop quand ça fait trop jeu. Voilà, je me répète, mais c'est ainsi. Et naturellement, vous n'avez pas la possibilité dans le jeu lui-même par rapport peut-être à d'autres jeux qui a la possibilité de mettre des couleurs chaudes, froides, etc., qui va effectivement changer un peu tout ça. Vous allez me dire oui, mais au maître on peut chipoter à son contraste de son écran. Ben, je vous souhaite bonne chance parce que vous allez faire des réglages à chaque jeu et ça je trouve quand même pas tellement facile et pas toujours évident à faire. Je répète aussi que mon test ici a été effectué sur 3 écrans. Testez-le sur un écran, testez-le en VR. Je pense qu'en VR, par exemple, ça peut être très sympa d'avoir des couleurs moins vives, moins contrastées aussi. En tout cas, c'est mon avis. C'est aussi, je remercie aussi en premier temps Thunder qui m'a aidé à développer ce film. Donc c'est Thunder qui a fait tous les réglages et on l'a fait ensemble, on va dire. Mais lui, a fait le boulot pour trouver les bons réglages, etc. Et puis ensemble, on a regardé, on a essayé, on a testé, on a regardé ce qui pour nous paraît le plus, voilà, le plus naturel. Maintenant, je répète, c'est le premier filtre. Est-ce qu'on peut apporter des améliorations? Absolument. C'est vous qui allez donner votre feedback, ce que vous en pensez. Soyez aussi indulgent dans le sens que, ben oui, voilà, dites oui, Mohamed, il y a ci, il y a ça. C'est facile de donner des critiques, mais donner quelque chose de constructif. Donc, mettez dans le commentaire de votre vidéo et dire, voilà, je trouve ci, je trouve ça. Et éventuellement, si on peut modifier, nous le ferons sans aucune hésitation. Mais en tout cas, ici, le résultat, je trouve qu'il est assez, il est assez très sympa. En tout cas, je vous montre ici un exemple. On va aller voir dans le jeu aussi ce que ça donne. Regardez, photo de gauche, c'est avant et photo de droite, c'est après. Donc ici, vous avez vraiment des couleurs moins vives, effectivement, mais aussi moins contrastées et je trouve aussi plus naturelles. Maintenant, c'est nouveau, c'est mon avis. C'est mes yeux, hein, puisque mes yeux perçoivent peut-être différemment des vôtres. C'est comme le ressenti du FFB. Voilà, chacun, les goûts, les couleurs, c'est une chose. Mais je respecte. Mais voilà, je fais cette vidéo parce que je veux vous le partager. Sinon, je le garde pour moi. Mais non, voilà, ça peut peut-être intéresser certaines personnes qui ont le même avis que moi, qui trouvent ça trop coloré. On va également, je vais vous montrer également une petite vidéo ou un petit montage que j'ai fait avant et après donc dans le jeu en lui-même. Regardez ici, bah vous voyez ici quand le système n'est pas actif, donc on va parler de Richard, effectivement, regardez quand le système est actif, donc vous voyez la différence dans le cockpit. On va faire un essai sur le circuit aussi pour vous montrer aussi, bon ici c'est beau temps, mais quand il fait un peu plus vieux ou quand il pleut, regardez, vous voyez ici directement, ici ça, il s'agit du circuit de Halton Park. Il y a certains circuits qui sont fort colorés, regardez ici aussi un exemple avant, et vous voyez ici après, donc vous voyez c'est vraiment, voilà, c'est l'effet de donner moins cet effet jeu que moi je voulais enlever. Ici voilà un bel exemple, fort coloré en tout cas, ce qui est gazon, etc. Regardez avant et après, je trouve ça beaucoup plus naturel. Regardez aussi les détails des arbres, donc voilà, ça c'est vraiment le but et on va voir ensemble comment ça se passe. Je vous mettrai le lien de ce Richard avec le filtre intégré, donc merci encore à Thunder, dans la description de la vidéo et alors vous allez pouvoir le télécharger et nous on va voir directement comment ça se passe pour l'installation. À tout de suite. Voilà les amis, on se retrouve ici sur le bureau et on va voir ici l'installation de ce fameux Richard de retravailler donc à la sauce Thunder et donc également le filtre et donc je répète, c'est un premier essai, en tout cas je pense qu'il est déjà bien concluant et on peut le peaufiner si vous le souhaitez
donner, je répète, votre feedback dans le commentaire de la vidéo. Alors, je vous mettrai ce dossier qui s'appelle Automobilista de Maud Richider. Je vous mettrai donc le lien dans le descriptif de la vidéo. On va voir le contenu qui est assez simple. Alors, je vais vous montrer la manipulation qui est également très simple. Je vais un peu diminuer la fenêtre pour la couper en deux. Vous ouvrez, moi, je vous conseille de faire de cette manière-là. Vous ouvrez d'un côté ce dossier et vous ouvrez de l'autre côté votre destination, c'est-à-dire votre Automobilista 2. Donc vous allez donc dans jeux Steam, Steam Apps, Common et Automobilista 2. Voilà, vous êtes ici, très simple. Je vais le faire avec vous, comme ça je vais, puisque moi je l'ai déjà installé, mais c'est pas grave, je vais le faire de cette manière-là. Vous sélectionnez en fait tous ces dossiers-ci. Voilà, vous faites bouton droit et vous faites copier, et vous allez les mettre simplement dans votre Automobilista, donc dans la racine du jeu, vous faites coller. Alors, dans votre cas, vous n'allez pas avoir ceci, puisque vous ne l'avez jamais installé. Dans mon cas, je vais l'avoir, je vais dire remplacer. Voilà, je fais remplacer, comme ça je fais la manipulation, mais vous n'allez pas avoir ce message-là, puisque vous n'avez jamais installé de Richider. Une fois que ça c'est fait, on va lancer, vous pouvez fermer cette fenêtre ici, et on va rester dans cette fenêtre-là, on va lancer la première installation du Richard. Vous avez ici donc le fameux Richider Setup. Vous cliquez deux fois là-dessus, vous allez avoir une fenêtre qui va s'ouvrir, qui est ici, je vais vous la porter là, voilà. Je vais mettre celle-là un peu sous le côté, comme ça elle ne va pas être dans le champ de vision. Vous allez simplement ici donc click here to select the game, donc vous allez choisir votre jeu. Vous allez aller ici dans Browse, donc c'est-à-dire le chemin de destination. Et là naturellement vous allez choisir, veuillez bien prendre effectivement Automobilista 2, et puis vous prenez AMS2. Vous cliquez deux fois dessus, voilà, et vous avez ici le choix entre DirectX 9, et 10, 11, 12, vous allez prendre effectivement Direct 3D 10, 11, 12, vous allez sélectionner celui-là, et là, il va vous demander Update. Pour moi, il va faire un update, pour vous, il va faire une installation. Vous faites ceci. Alors, très important ici, vous allez voir qu'ici, il n'y a que deux qui sont cochés. Vous faites Uncheck All, vous pouvez désélectionner, et puis vous faites Check All pour tous les sélectionner. Donc, tout ceci doit être sélectionné, et puis vous faites OK. Et là, à ce moment-là, il va commencer, comme vous voyez là, à faire l'installation du Richard complet, c'est-à-dire avec tous les systèmes de filtrage. Une fois que c'est fait, il vous demande ici de cliquer donc sur Edit. Et là, vous allez simplement vérifier que vous allez bien prendre votre le filtre, c'est-à-dire le preset qui se trouve ici. Regardez bien que vous êtes dans Automobilista 2. Vous allez cliquer ici sur Preset deux fois et vous faites simplement OK. Voilà, votre Richard est installé, il n'y a pas plus simple, une fois que vous avez fait ça, et nous on va se retrouver dans le jeu pour voir comment ça se passe pour la dernière configuration, et surtout voir si tout fonctionne bien. À tout de suite. Voilà les amis, on se retrouve ici donc dans le jeu, donc Automobilista 2, on va voir si le Richader, vous avez peut-être vu un cadre qui est apparu selon le combien d'écrans, bon, quand vous avez trois écrans, il va apparaître à gauche, si vous n'avez qu'un écran dessus. Alors on va vérifier que le Richard a bien chargé, normalement pas, on va juste voir qu'il est bien configuré. Alors vous avez sous votre clavier ici la touche Home, Insert, Pause, Page Up, Page Down, si c'est en français ou en anglais, chez moi c'est en français, donc j'ai début, fin, supprimé, etc. Je vous montrerai, au moment que j'en parle maintenant, je vous montrerai une petite photo où il se trouve sur votre clavier, et naturellement, vous allez devoir appuyer sur la touche Home ou Début, si c'est en français. J'appuie sur la touche Home. Il est apparu chez moi à gauche, mais vous pouvez voyager ce cadre ici. Donc ici, je vous conseille un peu de le diminuer, voilà, de façon à ce que vous puissiez travailler proprement et correctement. Voilà. Regardez ici, le filtre, aucun filtre n'a été chargé. Alors, nous allons le charger. Vous devez faire cette manipulation qu'une seule fois et on est prêt. Et après, on va l'assigner une touche pour pouvoir l'activer et désactiver en temps réel directement dans le jeu. Ça vous permettra de vous faire le comparatif avant et après, comme moi je l'ai fait. Et ça permettra aussi de donner votre feedback. Alors ici, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simple. Vous allez simplement aller ici, dans Preset, et vous allez appuyer sur ces trois petits points. Vous allez aller effectivement dans le destination de votre jeu Automobilista, donc c'est jeu Steam, Steam App, Common, Automobilista, et là nous allons choisir effectivement le preset INI. Voilà, vous avez vu, il y a un petit l'écran s'est rafraîchi, voilà, comme vous voyez maintenant, et vous voyez que tous les filtres maintenant se sont chargés, donc il y en a au total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Il y a 9 filtres qui sont chargés, donc voilà, votre Richard est prêt à l'emploi. Nous allons encore faire une chose, c'est de assigner une touche
pour pouvoir activer et désactiver quand vous voulez dans le jeu. Donc vous pouvez choisir n'importe quelle touche. Moi je vous conseille d'utiliser la touche juste en dessous, c'est-à-dire vous avez la touche Home pour l'activer, le cadre que vous voyez là, et vous avez la touche End, fin en français, pour activer et désactiver dans le jeu. Vous allez voir la différence, je vous montrerai ça après, on va tester ça dans le jeu. Vous allez ici donc dans Settings et vous allez prendre celui-là qui est en fait Effet Toggle Key. Vous allez cliquer là-dessus deux fois et vous allez appuyer sur cette fameuse touche que vous avez sélectionné pour activer et désactiver en temps réel. Moi je vais prendre Home, regardez, voilà ce qui est End, pardon. Donc j'ai pris la touche fin. Une fois que c'est fait ça, je retourne sur Home, c'est fait et je peux maintenant enlever ce cadre. Pour enlever le cadre, c'est la touche Home et pour activer, c'est la touche Home. Et pour activer et désactiver le reshader, ça c'est la touche que vous avez choisie. Dans mon cas, c'est End, regardez, je vais faire End, regardez, je désactive le reshader et maintenant je réactive. Vous voyez la différence dans les couleurs. Voilà, ça marche parfaitement. Je rappuie sur Home et je peux voir que mon cas tout fonctionne parfaitement. On va se retrouver maintenant dans le jeu et on va tester sur deux, pas trop longtemps, mais juste pour vous montrer la différence avant-après. A tout de suite. Voilà les amis, on se retrouve ici donc dans Automobilista 2. Donc ici, il n'est pas activé. Donc je peux, ce qui est pratique, c'est que vous pouvez l'activer quand vous voulez. Donc c'est la fameuse touche que vous avez signée. Je répète, pour faire apparaître le cas du reshader, ben c'est regardez, c'est la touche Home, hein, qui est dans mon cas début, je peux le fermer. Et pour activer et désactiver le reshader, pour faire le test, ben c'est la touche que vous assignez. Moi j'ai la touche End qui s'appelle fin. Regardez la différence. Ici pas activé, ici activé. Donc vous voyez le vert, le contraste des verts est beaucoup plus naturel. En tout cas, c'est mon avis. Le vert est beaucoup moins agressif. On va juste ici, j'ai pris un petit lever de soleil pour vous montrer. Donc ici, je ne l'ai pas activé. Je vais un peu avancer. Voilà. On a un beau lever de soleil naturellement. Regardez les couleurs. En tout cas, c'est pour moi c'est fort contrasté, c'est fort vert. Regardez, maintenant je vais l'activer. Hop, voilà. Ça c'est pour moi une différence. Alors je vais m'arrêter un petit coup pour vous montrer de l'extérieur ce que ça donne. Alors je vais le désactiver à nouveau. Regardez la différence. Activer, désactiver. Faites-vous-même naturellement l'essai en fonction de vos écrans, etc. Voilà, nous avons ici une vue de dehors directement. Regardez, il n'est pas activé. Ici, je vais l'activer. Vous voyez, c'est en tout cas pour moi beaucoup plus naturel. Les bleus sont, voilà, les bleus sont là, les bleus sont prononcés. Le vert est moins contrasté. Le bitume aussi, je trouve qu'il est plus naturel. Regardez une vue de derrière. Donc ici, il n'est pas activé. Je vais l'activer maintenant. Vous voyez, c'est pour moi moins coloré. C'est beaucoup plus naturel. Maintenant, je répète, testez-le vous-même en fonction de vos écrans. Un écran, trois écrans, VR, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, voilà, moi je préfère en tout cas ceci, ce qui est beaucoup plus, voilà, je vous montre un peu de cette manière-là. Regardez ici aussi, non activé, activé, non activé, activé. Donc vous voyez, à ce moment-là, vous pouvez voir la différence. Alors, je vais faire le même test ici très rapidement avec vous, avec un autre moment de la journée, parce que voilà, ici vous avez du soleil, il y a beaucoup de lumière, vous voyez beaucoup de contraste. On va faire le même test ici. Avec, en changeant juste la météo, on va dire, on va prendre un peu plus, plus nuageux. Donc ici, je vais partir un peu plus loin dans le temps, on va dire 14 heures. Alors ici, je vais prendre déjà un peu plus brumeux ou un peu plus nuageux. Et même, éventuellement, ben, on peut même faire, si on veut, on peut un peu exagérer. On peut mettre de la pluie un peu pour voir, voilà, hop. Et je fais ça avec de la pluie, donc beaucoup plus couvert. Hop, je vais prendre celui-là. Allez, voilà, c'est parti. Hop, on est reparti. Et vous allez voir, en tout cas, je répète, c'est mes yeux. Moi, je trouve, en tout cas, le point de départ, c'est trop lumineux, trop contrasté, trop de vert. Je n'aime pas trop, ça fait trop jeu. Voilà, c'est une belle astuce. Vous voulez le faire, tant mieux. Vous ne voulez pas le faire, ça vous regarde, vous. Moi, je vous le partage. Ça ne bouffe rien en ressources, hein, donc moi, je ne perds rien en ressources. Voilà, ici, on est au même endroit. Il n'est pas activé, hein, vous voyez, il n'est pas activé, mon Richard. Je vais avancer. Il pleut, entre-temps... Enfin, c'est dégueulasse. Alors c'est vrai que quand il pleut, je vais les essuie-glaces, les couleurs vont être naturellement moins contrastées puisqu'il y a moins de luminosité, mais ça n'empêche que le rendu final sera aussi très sympa. Je vais m'arrêter au même endroit à peu près, voilà, que là tout de suite.
on a les beaux nuages qui sont là. Alors ici, donc, vous voyez, le reshader n'est pas activé. Je vais l'activer maintenant. Vous voyez, c'est le contraste est beaucoup plus naturel et beaucoup plus, voilà, c'est, faut voir vraiment ça avec les écrans, peut-être qu'ici via la vidéo ça ne donne pas le même effet, mais en tout cas je vous mets la caméra de nouveau de la même manière, c'est-à-dire extérieur. Ici il n'est pas activé, ici il est activé, donc vous voyez le contraste, les verts etc. sont beaucoup moins agressifs. Ici pareil, je vous mets un petit plan d'ensemble ici, vous regardez les côtés, les verts, vous voyez la ligne blanche aussi, c'est tout à fait moins contrasté. Je répète, si vous avez un avis ou si vous avez un commentaire, donnez-le dans le commentaire de la vidéo. Donnez aussi, voilà, tiens, on met, est-ce qu'on pourrait pas faire le blanc plus blanc, moins blanc, etc. Voilà, on peut modifier. Donc, c'est important, effectivement, d'avoir aussi vos yeux, votre ressenti avec la VR, avec un écran, avec vos écrans, etc. Je reprends une fois un autre plan d'ensemble. Voilà, ici, par exemple, celui-là qui était sympa, sans rien, je vais freiner. Regardez, donc, non activé, activé, non activé, activé. Petit plan d'ensemble de derrière, voilà. Ça c'est non activé et ça c'est activé. Voilà, je pense ici que je ne pouvais pas montrer plus, mais en tout cas, voilà, vous pouvez vous-même faire le test avec ce système-là qui va permettre, en tout cas, je trouve personnellement, de donner une touche de réalisme. On y va, regardez au niveau, ici il est activé, je vais le désactiver. Vous voyez, ça c'est la différence pour moi. En tout cas, je préfère beaucoup, je préfère de jouer de cette manière-là. C'est moins contrasté, ça fait, je répète, pour moi en tout cas, moins jeu. On se retrouve directement pour la conclusion de cette vidéo. A tout de suite. Voilà les amis, on se retrouve pour la conclusion de ce test, en tout cas de cette astuce. Vous l'appelez comme vous voulez, mais en tout cas, je voulais vous la partager. Je vous mettrai donc dans le lien de cette vidéo, dans le descriptif plutôt, le lien de ce dossier. Donc, regardez le tuto pour l'installation. Vous voyez, c'est pas compliqué. Et puis, c'est le premier filtre. Donc, je répète, si vous avez des suggestions, vous voyez des choses, voilà, qu'on peut améliorer, vous ne le signalez. Et naturellement, mon ami Thunder se fera un plaisir de modifier ça et effectivement d'améliorer encore s'il faut encore améliorer. Donc, c'est à vous de voir. Vous êtes les juges aussi. Moi, j'ai mes yeux. Thunder a ses yeux. Mais peut-être que vous jouez avec un écran, vous jouez en 4K ou vous jouez avec la VR. Voilà, les effets sont différents. Et tenez aussi compte aussi d'une chose très importante. Un, nos yeux sont différents. Puis deux, les réglages de vos écrans sont peut-être différents par rapport aux miens. Mais moi, j'ai pas envie de m'amuser à changer les contrastes à chaque jeu. Donc, voilà, ici, c'est une belle solution en tout cas avec ce fameux reshader. Si vous avez, je répète, des questions, n'hésitez pas à le mettre dans le commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à y mettre un petit pouce. Et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Et profitez encore de votre confinement. Et n'oubliez pas naturellement, restez chez vous. A bientôt. Ciao, ciao.